bande de salopes. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, je vous apprends à refaire un embrayage. Mais pas n'importe quel embrayage. Un embrayage de Vespa. Mais pas n'importe quel embrayage de Vespa. Un embrayage de Vespa. Vespa. Et ouais, enculé, je vais faire des tas de trucs. Refaire son embrayage, c'est pas réservé au suceur de queue avec un kit d'air. T'en as aussi besoin de toi. Putain, l'hétéro qui baisse que quand maman elle en a envie. Viens, Minou, on fait un petit câlin. C'est important de prendre soin de ton embrayage. Sinon un jour, tu vas tomber en panne, ton boss va te virer tellement que tu peux la transpiration, tu vas sombrer dans l'alcool, tout l'air aller chercher ta vie à l'école, et elle va finir sur le trottoir, comme sa pute de merde. Oh là là, maman, papa, il est pas venu me chercher à l'école. En plus, ils sont mauvais. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Putain, bouge-toi sur le truc, elle va trop énerver. Pour refaire ton embrayage, tu as besoin de 3 disques lisses, 2, 4, 6 ressorts et du crépi indécollable. Pour ton embrayage, tu as besoin de 6 ressorts. Si tu es du genre à mettre 2 capotes quand tu baises, tu peux essayer d'en mettre 12. On va essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, je t'avais dit que ça rentrait pas. Non, toujours pas. Pour démonter ton embrayage, t'as besoin d'un... Un démonte embrayage. Ouais, tu tournes. Tu tournes pour compresser l'embrayage. Mais si une vraie pince, comme le dit ta femme, tu peux faire ça avec les dents. Ah, putain, je me suis cassé une dent. Perso, moi je fais ça avec ma bite. Maintenant tu prends les petits disques, tout mignon mignon, et tu les trempes dans l'huile. 1, 2, et 3. Ouh, ninja. Oh là là, il a mis les petits disques dans l'huile. Ah, mais ils vont se noyer. Tu veux une médaille? Les disques, tu les laisses tremper 10 minutes ou toute la nuit. Moi, je laisse toute la nuit. Ah là là, mais c'est pas possible, c'est toute la nuit, puisque la vidéo, elle fait que 3 minutes. Et si, connasse, je suis parti toute la nuit pour contrer avec le petit disque de merde, et ben, il reste bien dans l'huile. Et puis après, on a fait un montage, parce que mon pote Rude, c'est un peu George Lucas. Non, maman, s'il te plaît, je veux plus dormir dans la chambre avec tonton. Avant de remonter, tu vérifies bien que ça ne soit pas marqué sur la cloche et tu alternes un disque et tu finis par le disque sur un côté et tu remets le circlips. Et là, si t'as pas ton embrayage, il tient pas, tu utilises du crépi. Voilà, gros enculé, je t'ai transmis tout mon savoir. Tendresse et chocolat. Je vous aime, putain. Je pensais, on est pas mal là sur l'embrayage, qu'est-ce qu'on dit? Ta gueule!